Voilà, donc je disais suite euh, et fin de la lecture du rapport de Sistex, 5.4, les fausses excuses pour ne pas réhabiliter. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que les industriels ne provisionnaient pas assez pour, euh, pour réhabiliter les sites, et que du coup, c'était euh, nécessairement le contribuable, via l'État, généralement, qui doivent s'occuper de réhabiliter le site, sachant que souvent, même on va dire la plupart du temps, cette réhabilitation n'est même pas effectuée par l'État. Hein, par euh, le contribuable. Du coup, bah, on se retrouve avec une quantité assez impressionnante d'anciennes mines euh, qui génèrent toujours des pollutions euh, et qui malheureusement ne sont pas réhabilitées. Et il y en a même pour lesquelles il on... y a de la réhabilitation, mais il euh, y a un traitement qui est laissé sur place, par exemple pour pouvoir traiter des... les eaux qui, euh, qui seraient lessivées à travers les... les stériles ou les résidus miniers et qui contiendraient des des métalloïdes et des métaux euh, ad vitam aeternam en quelque sorte c'est-à-dire bah, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la pollution mais bon euh, est-ce qu'ils savent vraiment à partir de... jusqu'à quand euh, il y aura plus la pollution enfin ils ne peuvent pas le savoir comme ça donc voilà et là on en était c'était un peu le j'étais un peu un peu en colère <laughs> la dernière fois et là ça continue 5.4 les fausses excuses pour ne pas réhabiliter bah, bien sûr parce que pourquoi pas 6 euh, textes Systex constate que plusieurs arguments sont avancés afin de ne pas réhabiliter les sites miniers fermés, invoquant les possibles valorisations, détaillées ci-après. Oh, ça va être du, du minwashing 5.4.1 Préserver une éventuelle nouvelle ressource. Les gisements anciennement exploités et les déchets miniers stériles et résidus, résultant de cette activité, contiennent des quantités résiduelles de métaux. Celle-ci pourrait s'avérer économiquement rentable en cas de fluctuation des marchés et ou d'évolution des techniques de traitement du minerai. Ouais, en gros, okay. c'est pour l'instant pas assez rentable, ou alors euh, peut-être qu'un jour la science euh, trouvera une technique moins chère <laughs> pour qu'on puisse l'exploiter. Ainsi, lorsqu'une relance de l'exploitation est envisagée sur d'anciens sites miniers, la valorisation des déchets miniers est régulièrement présentée comme une manne financière permettant de contribuer à la réhabilitation. La valorisation, donc d'après l'étude de Bertrand en 2015, la valorisation des déchets miniers est une démarche nécessaire pour gérer les impacts environnementaux qu'ils peuvent générer, pour diversifier les sources d'approvisionnement de la France en ressources minérales, pour valoriser les déchets dans un processus d'économie circulaire. Cependant, le nombre de sites miniers pouvant faire l'objet d'une telle valorisation est anecdotique par rapport au nombre de sites non réhabilités. Ainsi, en France, une étude de bureau de recherche... Une étude du Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, le fameux, a retenu seulement 95 sites candidats sur les 644 analysés, soit moins de 15%. De plus, certaines caractéristiques intrinsèques aux déchets miniers limitent leur retraitement. Oxydation des sulfures, qui restreint la récupération des métaux contenus, finesse des grains, qui empêche le processus de valorisation, etc. Le retraitement des déchets miniers met en œuvre les mêmes techniques que le traitement du minerai, tels que le broyage, la séparation gravimétrique, la flottation, la sénuration, etc. Par conséquent, il produit des déchets miniers analogues à ceux d'un site en exploitation et peut donc occasionner des impacts sanitaires et environnementaux similaires. À titre d'exemple, la catastrophe de Baia Mare Bayamar, en Roumanie en 2000 trouve son origine dans la rupture d'un parc résidu, résidu résidus qui provenait du retraitement de déchets miniers anciens. Il n'y a pas de limite à la fête, je vous le dis. Si la valorisation des déchets miniers peut s'avérer intéressante ponctuellement, elle ne peut pas se substituer à une mise en sécurité effective. Cette hypothétique future valorisation ne doit en aucun cas concurrencer la gestion adéquate des déchets miniers, telle que l'illustre le cas du Maroc. Donc, L'Goul, qui nous dit, euh, du point de vue législatif, le Code minier marocain a introduit en 1980 deux dispositifs importants concernant les rejets miniers. La première, et de les considérer comme des gisements artificiels susceptibles de faire l'objet d'un permis d'exploitation à part. La deuxième est, la, est relative à leur gestion après classification en termes d'impact environnemental. Malheureusement, la balance penche du côté de la première disposition. Comme conséquence, les sites et leurs rejets miniers sont généralement abandonnés sans réhabilitation et sans mesure de l'impact sur l'environnement immédiat. Pas de surprise. Bien que le potentiel de valorisation des déchets miniers n'ait pas été pleinement évalué, l'intérêt pour cette ressource de matière première minérale a grandi ces dernières années. Cependant, les études réalisées en France démontrent que les quantités récupérables restent anecdotiques par rapport aux besoins et que la valorisation des déchets miniers ne peut être que marginale. La catastrophe de Bayamare, Bayamare. Roumanie, le deuxième Tchernobyl. Quoi Le long passé minier de Bayamare a laissé en pleine ville de grandes quantités de stériles miniers. Ces déchets ont gravement pollué les eaux de surface et les eaux souterraines et ont été à l'origine de la diffusion de grandes quantités de poussière. Les autorités locales ont lancé un appel d'offres international afin que ceci soit traité par une société spécialisée. Une usine s'est donc implantée à Bayamare en 1995 pour traiter annuellement 2 500 000 tonnes de déchets. Profitant alors de l'apparition de nouvelles techniques permettant de récupérer de manière rentable les faibles quantités d'or et d'argent encore présentes dans les stériles. Ceux-ci ont été broyés, chianurés, et les résidus associés ont été stockés dans un parc à résidus de 96 hectares. Le 30 janvier 2000, suite à une rupture de l'ouvrage de confitement, 300 000 m3 d'effluents chianurés se sont déversés dans l'environnement et ont détruit totalement la faune et la flore sur plus de 600 km de cours d'eau. Deux mois après, une seconde rupture de digue s'est produite dans la mine de plomb-zinc de Borsa, située à quelques dizaines de kilomètres de Bayamare. Oh là là Ok, donc ici, ça, ça a complètement pollué la rivière Somme. Je ne sais pas comment ça se prononçait. Somme qui. Ah, putain, et eh oui, et là aussi Borsa, là, qui a pollué Tisa. Et du coup, ça se retrouve Tisa. Ah, bah, ils devaient être contents, les, 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 les Hongrois, de se retrouver avec euh, un fleuve complètement pollué. Ouh, ça, ça a dû gueuler, là. Ça a dû gueuler. Attendez, ça s'est fait en combien de temps euh, Du 30 janvier. Ah oui, parce qu'il fait un parcours comme ça. Okay. Euh, ça, a mis, ça a mis un mois de la source jusqu'au delta. D'accord. Mais oui, d'accord, il se jette dans le Danube. Attends. Ah non, d'accord. c'est une autre rivière qui se, qui recoupe le delta du Danube. Ok, ok, ok. Préserver un patrimoine industriel et/ou géologique. Certains sites miniers ne sont pas ou peu réhabilités au motif qu'ils constituent un patrimoine industriel et géologique remarquable. Le patrimoine industriel et/ou géologique se divise en deux catégories le patrimoine in situ et le patrimoine ex situ. La plupart du patrimoine in situ n'est pas valorisable pour des raisons de sécurité liées aux dangers résiduels en souterrain, stabilité des galeries par exemple, et en surface, présence de poussière chargée en substances toxiques par exemple. Pour des raisons d'accessibilité du fait de l'effondrement ou de la fermeture des ouvrages au moment de l'arrêt de l'activité. Et pour des raisons foncières parce qu'il est propriété de l'exploitant ou d'un particulier. Lorsque le patrimoine in situ n'est pas valorisé, il est trop souvent invisibilisé avec des aménagements de surface, restrictions d'accès, terrassements, végétalisation, etc. Qui masquent les sources de pollution sans en limiter les impacts. Ça, on l'a vu. À ce titre, peuvent notamment se produire des effondrements en surface ou encore des résurgences d'eau polluée. Hmm. Lorsque le patrimoine in situ est valorisé, il est rarement exemple de risques environnementaux, voire sanitaires importants. Certains sites, pourtant très connus et très visités, font ainsi l'objet de nombreuses études scientifiques évaluant les impacts sur l'environnement, voire sur la santé humaine. C'est le cas du district minier de cuivre, argent et or de Rio Tinto en Espagne qui s'étend sur 628 km. La contamination des sols, des eaux de surface et de l'air est entretenue par, la, par les gigantesques volumes de déchets miniers et d'eau minière. Ouais, on voit que de toute façon, l'eau, elle n'a pas une, une couleur chelou. Ouais, 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 ouais. Ah là, attends. Le patrimoine in situ est le patrimoine sur site, tels que les ouvrages d'exploitation, galeries, minas, silos etc., les usines de traitement du minerai et les déchets miniers. Patrimoine ex situ, c'est le patrimoine retiré de son milieu d'origine et entreposé ou exposé hors site. Tels que les pièces minéralogiques et les fossiles, valorisées en musée ou en laboratoire de recherche, la machinerie, l'outillage, etc. Ok, ok. Bien que la gravité des impacts diffère en fonction des caractéristiques d'un gis gisement, des techniques d'exploitation et de traitement, ainsi que l'intensité de l'activité minière, ceux-ci sont systématiquement présents, y compris pour les sites qui font l'objet du plus haut degré de valorisation patrimoniale, tels que ceux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ok, donc tu dis, ouais, je vais aller voir un truc de l'UNESCO, puis tu te fais polluer la gueule, quoi soit ainsi sont ainsi concernées par exemple petit 1, les anciennes mines d'étain et de cuivre des Cornouailles en Grande-Bretagne connues pour la contamination qu'elles engendrent dans les eaux de surface affectant également la faune aquatique et petit 2 l'ancienne mine de fer plomb cuivre et zinc de Falun en Suède à l'origine de pollution persistante dans les sols notamment urbains dans les lacs et dans les rivières 5.4.3 préserver des habitats uniques et rares pour la biodiversité Certains sites miniers ne sont pas, ne sont peu ou pas réhabilités au motif que cela pourrait endommager ou détruire des habitats uniques et rares pour la biodiversité. Cet argument est tout d'abord à mettre en regard du bilan global sur les écosystèmes et la biodiversité qui est toujours négatif. Bah ouais, c'est bizarre. En effet, un site minier réhabilité ou non est inévitablement altéré par rapport à son état avant exploitation. Ça si on l'a déjà vu. En France, la présence d'espèces faunistiques et floristiques protégées contraint voire empêche toute réhabilitation ou mise en sécurité. Si la protection des habitants rares des habitats rares pardon, ne peut être récusé si ce texte s'interroge sur le fait que celle-ci puisse prévaloir sur la réduction des impacts environnementaux et sanitaires d'un ancien site minier. Ouais, ça, ça n'a pas été bien. Bref. 5.4.4. Préserver des laboratoires de recherche scientifique. Certains sites miniers ne sont peu ou pas réhabilités au motif que s'y développent des espèces faunistiques et floristiques dans des environnements aux caractéristiques physico-chimiques exceptionnelles, eau à ultra acide ou ultra basique, milieu ultra salin, etc. L'Agence de protection environnementale écossaise signale que ainsi que de nombreux anciens sites miniers présentent un intérêt faunistique et forestique tel qu'ils sont classés comme sites d'intérêt scientifique euh, extraordinaire. Ces sites sont souvent caractérisés par des milieux acides et riches en métaux qui favorisent le développement de certaines espèces extrémophiles, <laughs> extrémophiles aux dépens des espèces initialement présentes. Même si les auteurs reconnaissent que ces communautés écologiques ne sont ni saines ni normales, ils considèrent que cette biodiversité est importante et doit être prise en compte dans les plans de réhabilitation. Ils défendent même la nécessité d'adapter des... ces derniers en considérant le dépassement des normes de qualité environnementale. Oh, C'est chelou, hein, ils sont chelous. Euh... Pour satisfaire leur curiosité scientifique, ils sont vraiment chelous quand même. Cependant, de tels environnements extrêmes existent à l'état naturel à travers le monde. Bah voilà Les dépôts hydrothermaux ultra à Dalol. En Éthiopie, les milieux chauds et acides dans le parc national du Yellowstone, aux États-Unis, les fumeurs noirs des dorsales océaniques, ou oh alors c'est difficilement accessible quand même. 4. Le ruisseau acide et tiède de Furnas, au Portugal. Ainsi, compte tenu du grand nombre de laboratoires naturels, SysTex estime que leurs recherches devraient se concentrer sur ces derniers ou être réalisées expérimentalement en centre de recherche. Oh, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. 5.5. La réhabilitation doit être améliorée et systématiquement réalisée. Le 1er septembre 2020, dans le cadre du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN toujours, a été adoptée la résolution numéro 104 nommée Conservation de la diversité du patrimoine naturel de milieux miniers. Cette dernière demande aux États membres de Petite, hein, conserver les milieux miniers qu'ils soient souterrains ou à ciel ouvert, mines et carrières, lorsque la conservation de leur patrimoine naturel, qu'il soit géologique et ou biologique, présente un intérêt jugé plus important que celui de leur restauration. Ouais, alors ça se justifie comment ça Et petit 2, prendre des initiatives afin de garantir que le patrimoine naturel de ces milieux miniers soit utilisé en faveur de la conservation de la biodiversité ainsi qu'à des fins scientifiques, pédagogiques, culturelles et ou touristiques. Les arguments développés dans les paragraphes précédents démontrent que les considérations de la résolution numéro 104 sont discutables et ne prennent pas en compte les risques sanitaires et environnementaux qui concernent la plupart des anciens sites miniers. Or, selon Cistex, la priorité doit être donnée à la réduction à défaut de la suppression de ces risques avant de prendre en compte tout autre enjeu, qu'il soit économique, patrimonial, scientifique, pédagogique ou touristique. Tant que l'héritage nocif d'un ancien site minier n'est pas neutralisé, il est irresponsable de le sanctuariser afin de répondre à un ou plusieurs de ces enjeux. Sistex estime donc qu'une réhabilitation effective est un prérequis nécessaire à la valorisation des anciens sites miniers. Ce qui fait quand même beaucoup plus de sens. Hein. Ah bon, voilà, on va arriver à la conclusion. Bah dis donc, Incroyable. Après 133 pages de rapport... Conclusion, alors c'est une conclusion sur plusieurs pages, hein, parce que, vu la longueur du rapport, Métaux rares, substances indispensables à la transition, exploitation zéro émission, techniques minières modernes, technologies intelligentes, impact positif sur la biodiversité, standards internationaux contraignants, nouvelles formes de ex frontières extractives, etc. Ces nouveaux concepts sont de plus en plus mis en avant, tant dans l'espace public que dans les espaces plus spécialisés des géosciences et de l'industrie minérale. Pourtant, sur le terrain, rien ne change. Les nombreuses associations nationales et locales qui travaillent dans le monde entier sur les questions minières s'inquiètent au contraire de l'aggravation des impacts humains, sanitaires, environnementaux et sociaux. Tendance corroborée par le monde académique qui multiplie les travaux de recherche sur la question. En France en particulier, la communication sur les questions minières dans l'espace public a donc vécu une transformation radicale de la non-information à la désinformation. J'ai envie de dire, c'est un peu globalement la société hein, qui est passée de la non-information à la désinformation. Mais bon. On va pas faire de la politique maintenant. Dans cette étude, Sistex propose non pas de dénoncer des manœuvres de greenwashing, moi je le fais, je dénonce, voilà, mais d'alerter les citoyens sur l'écart grandissant entre cette communication et les réalités humaines et environnementales, avec trois principaux objectifs. Petit 1. Réaliser un état de l'art des connaissances sur le sujet, qui font l'objet de la communication la plus soutenue, telle que l'évolution de techniques minières ou encore le meilleur, les meilleures pratiques disponibles. Petit 2. Rendre accessibles ces données techniques pour alimenter le débat public. Petit 3, dénoncer la gravité de la situation concernant en particulier les pratiques inacceptables de l'industrie minière et les perspectives alarmantes à moyen et long terme. L'objectif de cette étude n'est pas d'émettre des recommandations sur chacun de ces sujets, il s'agit plutôt de mettre à disposition du plus grand nombre les données et informations permettant une prise de conscience et de position collective. Ah, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. 6.1, industrie intrinsèquement prédatrice et dangereuse. Les gisements métalliques comportent deux caractéristiques intrinsèques. Les minerais présentent généralement des teneurs très faibles, les substances d'intérêt étant disséminées dans les volumes de roches gigantesques. Les substances d'intérêt sont associées à un cortège d'éléments, principalement des métaux et des métalloïdes, dont certains sont particulièrement toxiques pour la santé humaine et plus largement pour toute forme de vie. Pour ces deux dernières raisons, l'industrie minière met en œuvre des procédés complexes et longs, très consommateurs d'eau et d'énergie et générant des quantités considérables de déchets. Cette industrie est d'ailleurs celle qui en produit le plus parmi toutes les autres industries. Contrairement aux idées reçues, la phase du projet minier qui est la plus consommatrice n'est pas l'exploitation, que ce soit en souterrain ou en ciel ouvert, mais le traitement du minerai, qui représente à lui seul 70% de sa consommation d'eau et plus de 80% de, sa de la consommation électrique d'électricité d'un site minier. Cette spécificité de l'industrie minière entraîne des réactions en chaîne. Les déchets miniers générés induisent des impacts environnementaux majeurs affectant les milieux au air sol et sa dégradation de l'environnement ainsi que la contamination des milieux de vie des populations sont à l'origine des conséquences sanitaires et sociales graves. Étant donné que les sites miniers s'implantent sur des emprises importantes, requérant, requièrent l'usage massif d'eau, d'énergie et d'infrastructures pour leur fonctionnement et sont à l'origine de dommages environnementaux, les conflits sont inévitables. Conflits d'usage avec les riverains et les acteurs locaux. Conflits socio-culturels dus aux perturbations profondes engendrées par l'installation du site, en particulier les migrations et les déplacements forcés de populations, et des conflits sociaux et environnementaux avec des populations affectées et les défenseurs des droits. Par ailleurs, l'industrie minière est souvent installée dans des zones occupées par des peuples autochtones et/ou à haute sensibilité écologique. Il en résulte une exacerbation des conflits qui se reflète dans les statistiques mondiales. Le secteur est responsable du plus grand nombre de conflits socio-environnementaux et est impliqué dans le plus grand nombre d'assassinats de défenseurs des droits. Deux postures, inertie et gigantisme. Contrairement aux idées reçues, les techniques minières les plus utilisées n'ont pas changé depuis plus d'un siècle. La flottation est toujours la méthode de concentration la plus employée, les méthodes pyrométallurgiques restent nécessaires pour la récupération de la plupart des métaux, la sénuration représente 80% de la production mondiale d'or. Les principales innovations techniques datent de la fin du XIXe siècle. Elles ont servi à un objectif précis, faire entrer l'industrie minière dans une ère de production de masse. Ce paradigme a été conservé durant toute la seconde moitié du XXe siècle et s'est amplifié dans les années 60 avec l'avènement de techniques dites « novatrices ». Le block caving, le mountain top removal, le strip mining, l'exhibition en tas et l'exhibition in situ. Ouais, alors ces fameuses <laughs> techniques novatrices dont je rageais dessus euh, surtout la montagne tape-rémouval. Ça, ça m'a scié. C'est vraiment, en fait, on, on coupe la montagne. Quoi. Genre, allez, tac. Toutes ces techniques ont deux points communs. Elles permettent d'exploiter à bas coût des gisements à faible teneur et elles peuvent être à l'origine de risques plus graves encore que les techniques conventionnelles. Aujourd'hui, des innovations existent elles concernent davantage la numérisation et l'automatisation. Cette évolution est souvent présentée comme un moyen d'augmenter les performances environnementales et sociales de l'industrie minière. Dans les faits, les premiers retours d'expérience sont beaucoup plus contrastés, notamment en termes de répercussions sur les emplois et l'embauche, et par rapport à l'usage massif d'équipements électriques et d'énergie renouvelable. 6.3. Déversement, la technique de gestion des déchets miniers est la plus polluante et destructrice qui soit. L'inertie qui, car qui caractérise l'innovation dans le secteur minier s'applique également à l'une des techniques de gestion des déchets miniers le déversement volontaire en milieu aquatique. Contrairement aux idées reçues, il s'agit d'une pratique extrêmement répandue mise en œuvre autant dans les pays dits développés que les autres. D'après un inventaire réalisé par Sixtex, 46, 46 sites miniers à travers le monde ont été ou sont concernés par la mise en œuvre de cette pratique et ce chiffre est très sous-estimé. De plus, 10 sites projettent de recourir à des déversements en mer au Groenland, en Norvège et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les conséquences sur les cours d'eau, les lacs, les fjords et les mers sont catastrophiques contamination des eaux et des sédiments en métaux et métalloïdes, comblement des rivières et des lacs, des destruction des habitats, dépérissement forestier, etc. Malgré les recommandations d'organisations internationales aussi importantes que le Programme des Nations Unies pour l'Environnement ou l'Union internationale pour la conservation de la nature, cette pratique n'est toujours pas réglementale internationale. Elle s'inscrit notamment dans un vide réglementaire de la Convention de Londres et du Protocole de Londres. Les principaux instruments internationaux pour la législation des océans contre la pollution anthropique résultant de l'immersion des déchets. Les réglementations nationales sont quant à elles le plus souvent insuffisantes lorsqu'elles existent. 6.4 Abandon de millions d'anciens sites miniers dans le monde. Les réglementations nationales sont tout aussi insuffisantes lorsqu'il s'agit de légiférer la fin de l'activité minière et l'après-mine. C'est ainsi que des millions de sites ont été abandonnés à travers le monde. Des millions Ah oui, des millions quand même. Et sont désormais sous la responsabilité des États et de leurs contribuables. Des milliards de dollars sont dépensés chaque année pour tenter d'endiguer les impacts environnementaux et sanitaires associés. La primine souffre encore de méthodes de gestion inappropriées et insuffisantes, tant au moment de la fermeture du site minier, la mise en sécurité, que pour son suivi sur le long terme, la réhabilitation. Si cette question est cruciale, c'est aussi parce que les métaux et les métalloïdes ne se décomposent pas et ne sont pas biodégradables. Toutes ces pollutions peuvent perdurer sur des échelles centenaires à millénaires. Selon de nombreux acteurs et de nombreux auteurs étudiés par six textes, l'industrie minière se caractérise par un modèle intrinsèquement insoutenable. Dans un contexte de diminution des teneurs et de raréfaction des gisements facilement exploitables, ce modèle sera nécessairement à l'origine d'une augmentation exponentielle de la consommation d'eau et d'énergie ainsi que des impacts environnementaux et sociaux. Tous ces éléments doivent être confrontés aux prévisions de la croissance de la demande métallique mondiale dans les années à venir. Cette question fera d'ailleurs l'objet d'un deuxième volet de l'étude. Ah, bah voilà, bah c'est fini. Bah, René Ben. Bah écoutez, voilà, je vous mets euh, pour YouTube, je vous mets la bibliographie. Alors, euh, allez, attendez, on, je compte les pages de bibliographie. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, <laughs> treize, <12, rire> plus vite, quatorze, quinze, 17, 18, 19, 20, 21, 21 pages de bibliographie pour aller plus loin, comme ils disent. Et oh, on n'a pas les, le crédit des auteurs, euh, non Bon, ben voilà, c'était Controverse minière. Pour en finir avec une un certaine contre-vérité sur la mine et les filières minérales de Systex, et ben ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. On a déjà le problème de, de CO2, de gaz à effet de serre, on a problème de biodiversité. Et la mine, bah ça, ça rajoute des problèmes d'eau, de consommation d'énergie, de gestion des déchets, de pollution euh, sur le long terme, enfin sur le moyen et sur le long terme. Ah, bref, c'est horrible. Voilà. La mine, c'est horrible. Sur ce, YouTube, je vous laisse. Et peut-être euh, on lira le, le volet 2, peut-être.